Tu sais, les gens de Monevia.com, j'aimerais qu'on se dise un peu la vérité, qu'on se respecte. Dans ce pays-là, il y a eu des choses qui ont été faites et l'État n'a rien dit et après on s'est plaint. On a vu cette affaire des maisons de placement d'argent. On s'est plaint pourquoi l'État a laissé faire. Aujourd'hui, on a vu même la gestion de l'argent des déchets toxiques. Ça envoie des gens en prison. Aujourd'hui, la Saint-Ouattara va être regardant. Quelqu'un a fait une demande. Il dit qu'il va créer une entreprise pour créer des plantations. Des gens vont venir et puis vont payer l'argent. Ils vont se partager les bénéfices. L'État a dit on est d'accord. Maintenant, l'État constate qu'il y a beaucoup de sous-titres, moins de plantations. L'État bloque pour voir clair. Pour dire, mais où sont les plantations? Et des gens se plaignent. Et M. Yapi se trouve hors du pays. Il dit qu'il peut payer. Je ne suis pas là pour que si quelqu'un a du service au directeur de l'école, la police économique, ça c'est son problème. Quelqu'un a du service aux affaires de la police économique, ça c'est son problème. Mais je dis, c'est l'argent des Ivoiriens. Ne jouons pas avec cela. Nous demandons, M. Yapi, c'est tellement simple. C'est simple. Comme les gens disent que l'État dit, tu dois payer 654 millions, milliards, et maintenant c'est 22 milliards, dis carrément, tu viens carrément en Côte d'Ivoire, tu dis bon, je suis prêt à payer tout le monde. Et on te donne un bureau, même au ministère de l'économie, tu vas tu libérer les chiens de chacun, les chiens de chacun, quand tu vas finir. Si tu dis ça à l'État, l'État va te dire, viens t'a payer les gens. Mais vous ne le faites pas, vous demandez que l'État dégèle les comptes. Si l'État dégèle ces comptes-là, que toi tu viens, tu passes ta jambe, tu fais virer ça ailleurs. Comment l'État fait pour empêcher l'argent? L'État veut bloquer ça. Venez ensemble, vous allez vous asseoir pour voir comment est-ce que l'argent qui peut être 654 milliards, qui est devenu 22 milliards là. Comment on va faire pour payer tous les 654 milliards? Venez, on va parler de ça. Parce que les gens se plaignent, se plaignent, se plaignent. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils se plaignent. L'État le fait pour garder votre argent. Je ne sais pas, c'est vrai ou c'est faux, mais Yapi, viens, tu vas dire, comme il y a 22 milliards là, on doit payer 654 milliards. Comment on fait pour que la terre arrive 654 milliards? Tu dis ça, on paye. On paye. Émergence, doya, doya.